Le congrès aura lieu à la Cité de l'Espace, qui est par excellence le lieu de culture spatiale européen, puisque c'est un ensemble à destination du public le plus large. Toulouse est reconnue depuis longtemps comme la capitale européenne de l'espace, et donc il était naturel qu'un jour ou l'autre, les astronautes au niveau mondial tiennent leur congrès ici. On a choisi Toulouse parce que c'est une ville qui est liée à l'aéronautique, à l'espace, par Airbus, par le CNES, par l'Agence spatiale européenne avec l'ATV, et aussi parce que c'est la Cité de l'espace. Nous allons en profiter pour fêter les 20 ans de la Cité de l'espace avec 100 astronautes. Il y en avait deux en 1997, Claudine Huret, marraine de la Cité de l'espace, Jean-François Clairvoy. Il y en aura plus d'une centaine en 2017. Vous voyez le chemin parcouru et c'est tout à fait intéressant. Je suis très heureuse d'y voir accueilli le 30e congrès des astronautes internationaux. Les astronautes vont être ici et dans les écoles et avec chacun pour pouvoir partager la passion de l'aventure, de la découverte du spatial. Toulouse, c'est connu comme la cité emblématique de l'espace, à la fois scientifique, l'espace des satellites d'application, l'espace de l'exploration avec des robots. Et aussi, c'est à Toulouse que les premiers astronautes français, il y a 30 ans, ont commencé leur entraînement.